Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication d'une rose, suite à plusieurs demandes d'ailleurs. Là, j'ai un exemple en noir. Je ne sais pas si c'est net, si ça se voit. Hop. Donc, je vais tout vous expliquer une par une. On va d'abord faire cette partie-là. Par la suite, je vais vous montrer le bas, comment je fais pour coller ici et la feuille. Alors, je vais d'abord vous montrer de ce qu'on va avoir besoin. Donc, cette partie-là, en fait, j'utilise des brochettes, comme ceci. Vous pouvez utiliser des brochettes plus longues, si vous en trouvez des plus petites, je ne sais pas. On va avoir besoin d'un fil pour la couleur de la rose. Je vais utiliser du rose, moi, c'est du coton. Vous pouvez utiliser de la laine aussi, c'est comme vous souhaitez, c'est par rapport à ce que vous avez chez vous. On va avoir besoin d'un fil du coup de la couleur verte. Je vais utiliser un crochet 2,5 à 2 mm, excusez-moi, 2 mm. Pour la feuille, du coup, on va avoir besoin d'un fil en fer. Comme ça, j'ai acheté ça chez Centracor. On va crocheter en fait avec le fil à l'intérieur pour passer le fil ici pour pouvoir positionner la feuille comme on le souhaite. Si vous n'avez pas de fil en fer chez vous et que vous voulez quand même essayer de faire la rose, vous pouvez tout faire comme moi, sauf que vous faites la feuille sans le fil, du coup, et par la suite, vous collez. Puisqu'on va avoir besoin de toute façon d'une colle forte, et pour utiliser la colle forte, d'un pistolet, pour coller la rose à la brochette, on va dans tous les cas avoir besoin d'une colle. Hop. C'est comme ça que le fil en fer se présente chez Centracor. Et on va avoir besoin d'une paire de ciseaux. Donc je vais tout de suite commencer en vous expliquant la rose. Avant de passer à la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Voilà, donc on va tout de suite commencer en faisant 53 mailles en l'air. Hop. Je fais d'abord mon nœud. 1, 2, 3. Faudra pas les serrer beaucoup, hein. Ça sert à rien de beaucoup les serrer, puisqu'on va venir faire des mailles serrées à l'intérieur. Alors, j'ai bien fait mes 53 mailles en l'air. Cette partie-là, c'est le bas de la rose. C'est-à-dire que là, on va faire des brides et par la suite, on va enrouler comme ça. Si vous voulez avoir une rose plus volumineuse, il faudra faire des mailles serrées en plus, des mailles en l'air en plus ici, excusez-moi. Si vous voulez qu'elles soient un peu plus petites, vous pouvez faire des mailles en l'air en moins. À chaque fois, je vous dis, il faudra soit ajouter, soit enlever 3 mailles en l'air. Donc, si vous voulez avoir une rose plus volumineuse, vous ajoutez 3, sinon 6, 9 mailles en l'air. Sinon, vous enlevez 3, 6, 9 mailles en l'air. C'est par rapport à ce que vous voulez. Hop. Du coup, on vient tout de suite. Pas à la dernière maille en l'air, mais à l'avant-dernière, on va faire une maille serrée. On rentre le crochet à l'intérieur, on récupère le fil. Hop. On enroule sur le crochet, on va passer le fil à l'intérieur des deux boucles. On va faire des mailles serrées sur tout le long de la chaînette pour obtenir 52 mailles serrées en tout. Si vous avez un fil qui est très fin, vous pouvez augmenter les mailles serrées aussi, les mailles en l'air aussi. Si vous avez un fil épais, vous pouvez les diminuer. C'est par rapport à ce que vous avez aussi, hein. Donc, je fais mes 52 mailles serrées et je reviens. Alors, du coup, j'ai bien fait mes 52 mailles serrées. On va récupérer le travail. Hop. On va faire 5 mailles en l'air ici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les trois premières mailles en l'air vont représenter une bride et les deux mailles en l'air vont être répétées entre chaque bride pendant tout le rang. Je vais vous montrer. On tourne le travail. On va faire une bride ici au même endroit. Donc, une bride, je vais vous montrer comment on l'a fait. On enroule le fil sur le crochet. On pointe le crochet
À l'intérieur du premier trou, on récupère le fil. On a trois boucles sur le crochet. On enroule le fil sur le crochet. On va passer le fil qu'on a enroulé à l'intérieur des deux premières boucles. Hop. On enroule le fil sur le crochet. On passe la boucle qu'on a enroulée à l'intérieur des deux dernières boucles. Donc là, en fait, on a fait une bride, deux mailles en l'air et une deuxième bride. Ici, on va sauter deux mailles serrées. Une, deux. On va pointer à l'intérieur de la troisième maille serrée. On récupère le fil. On va faire une première bride. On fait deux mailles en l'air et au même endroit, on va faire une deuxième bride. Hop. Et hop. On enroule le fil sur le crochet. On va sauter deux mailles serrées ici. Une, deux. Et on pointe dans la troisième. On fait notre première bride. On fait deux mailles en l'air. Et au même endroit, on refait notre deuxième bride. Hop. Et hop. Je vais vous montrer encore une fois. On enroule le fil sur le crochet. On va sauter deux mailles serrées ici. On pointe à l'intérieur de la troisième maille serrée. On fait notre première bride. Deux mailles en l'air. Et notre deuxième bride. Hop. Et hop. Voilà, donc je continue comme ça jusqu'à la fin du rang et je reviens. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon rang. On va faire trois mailles en l'air pour passer au rang suivant. Hop, on retourne au travail. Ici, les trois mailles en l'air ne vont pas représenter une bride. On va travailler à l'intérieur de ces trous-là qui se retrouvent en haut. Et dans les trous en bas, on va rien faire. Ici, dans les trous en haut, on va faire deux brides, deux mailles en l'air, deux brides, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides, et ainsi de suite. Et dans les trous en bas, on va rien faire. Je vous montre. On enroule le fil. Hop. On va faire notre première bride, notre deuxième bride. Deux mailles en l'air, une, deux. Au même endroit, on va faire deux brides encore. Une et deux. Et là, sans mailles en l'air, rien du tout, on va sauter le trou qui se trouve en bas. On va aller dans le trou qui forme un V en fait. Pour faire nos deux premières brides, une, deux, deux mailles en l'air. Et nos deux dernières brides au même endroit, une et deux. Donc là, on va sauter le trou qui se trouve en bas. On va passer au trou qui forme la lettre V. On va faire nos deux premières brides, une et deux. Deux mailles en l'air, une et deux brides. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On saute ici. On passe ici une, deux brides, oula, deux brides, deux mailles en l'air, une et deuxième bride. Voilà, donc je termine mon rang et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé mon rang, c'est normal que ça forme un rond, hein. Hop, on va faire une maille en l'air, on va tourner le travail pour effectuer notre dernier rang du coup. On va faire des brides, excusez-moi, des brides à l'intérieur des trous qui se trouvent en haut et une maille serrée à l'intérieur des trous qui se trouvent en bas. Alors, on va faire 8 brides. Une. Oula. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. 7 et 8. Hop. Et là, dans le trou prochain, on va faire une maille serrée. Hop. Dans le trou d'après, donc dans les V, on va faire 8 brides. Et dans le trou d'en bas, on va faire des mailles serrées, une maille serrée. On refait 8 brides. 1, 2, 3, 4. Là. 4, 5, 6, 7 et 8. Et 8. Hop. Dans le trou suivant, on fait une maille serrée. Hop. 8 brides dans le trou V. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une maille serrée dans le trou qui se trouve en bas. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Alors voilà, j'ai terminé mon rang. Donc on a terminé notre rose. Hop. Je trouve ça vraiment très joli. Hop. On va faire une maille en l'air et on va couper le fil ici. Hop. Et on va faire circuler le fil pour le cacher. On va le faire circuler vers le bas. Hop. Voilà, donc on va mettre ça de côté. On va passer à la partie d'en bas, cette partie-là. Donc, je récupère mon fil en verre. Alors, on va commencer en faisant un cercle magique. Moi, mon cercle magique. J'enroule le fil d'abord sur mon doigt et j'enroule le bout du fil sur mon doigt ici. Je rentre mon crochet à l'intérieur, je récupère le fil et je fais une maille en l'air. Après, chacun a sa façon de faire son cercle magique. Ici, on va faire deux mailles en l'air, une et deux. Et à l'intérieur, non, une et deux en tout, excusez-moi. Donc j'ai fait une première maille en l'air et là c'est la deuxième. À l'intérieur du cercle magique, on va faire 10 demi-brides. Donc j'enroule le fil sur le crochet. Je rentre mon crochet à l'intérieur du cercle magique. Je récupère le fil. Donc on a trois boucles sur le crochet. On enroule le fil sur le crochet et on va passer le fil qu'on a enroulé à l'intérieur des trois boucles qu'on avait déjà sur le crochet en même temps. Hop. On enroule le fil sur le crochet. On rentre à l'intérieur du cercle magique. On a trois boucles sur le crochet. Hop. On enroule encore une fois et on passe à l'intérieur des trois boucles. Donc ça s'appelle des demi-brides et on va en faire 10 en tout. Donc j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Je ferme, je serre ici. On va pointer notre crochet. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En haut de la première bride, on récupère le fil. On va faire une maille coulée. Donc on va passer le fil qu'on a récupéré à l'intérieur de la boucle qui était déjà sur le crochet. Et on va faire une maille en l'air. À l'intérieur de chaque demi-bride, on va faire deux mailles serrées. Donc, on va faire des augmentations en mailles serrées par contre. Donc, là, dans mon premier trou, on va faire une première maille serrée, hop, et une deuxième maille serrée au même endroit. On va passer à la maille suivante, à la bride suivante. On va faire une maille serrée et une deuxième maille serrée. Une maille serrée et une deuxième maille serrée au même endroit. Donc on va faire deux mailles serrées sur chaque demi-bride. Donc on aura 20 mailles serrées à la fin du rang. Voilà, donc j'ai fait deux mailles serrées à l'intérieur de chaque demi-bride. Et du coup j'ai obtenu 20 mailles serrées à la fin de mon rang. On va pointer notre crochet dedans la première maille serrée pour faire une maille coulée. Hop, on va faire une maille en l'air. Et on va faire un rang de 20 mailles serrées sans augmentation. Donc sur chaque maille serrée, on va faire une maille serrée. Hop. Donc on va avoir 20 mailles serrées à la fin du rang. Alors, j'arrive à la fin de mon rang. Je vais pointer à l'intérieur de la première maille serrée et faire ma maille coulée. Hop. Voilà, donc on passe au rang suivant. Au rang suivant, on va faire 8 mailles en l'air.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, pas la huitième, mais dans la septième maille en l'air, on va rentrer notre crochet, récupérer le fil et faire notre maille coulée. Hop. Dans les deux prochaines mailles en l'air, on va faire une bride, une maille serrée, une maille serrée. Donc, je fais ma première maille serrée et une deuxième maille serrée. Sur deux mailles en l'air, hein, je ne fais pas une augmentation. Là, j'ai fait une maille serrée. Je suis passée sur la maille en l'air suivante et j'ai fait une maille serrée. J'enroule le fil sur le crochet. Ici, on va faire deux demi-brides. Donc, je pointe dans la première maille en l'air. Je récupère le fil. Je fais ma demi-bride. Je pointe sur la maille en l'air suivante. Hop. Et hop. Je fais ma demi-bride. Et là, il me reste deux mailles en l'air. Et ici, je vais faire deux brides. Donc, ma première bride, hop, et ma deuxième bride sur la dernière maille en l'air. Hop, et hop. Voilà. Donc là, on va pointer notre fil, notre crochet, excusez-moi, dans la troisième maille serrée. 1, 2, 3. Donc on va compter la maille serrée dans laquelle on est, hein. 1, 2 et 3. Sinon, vous pouvez faire comme ça et vous voyez là où ça arrive. Vous voyez, ça arrive dans la troisième maille serrée. Hop, on récupère le fil et on fait notre maille coulée. On va refaire une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. On va refaire le même travail tout le long du rang en fait. Hein. Je vous montre encore une fois. Donc pas dans la huitième, mais dans la septième maille en l'air. On va faire une maille coulée. Par la suite, c'est deux mailles serrées. Une et deux. Par la suite, c'est deux demi-brides. Une et deux. Et par la suite, c'est deux brides. Une et deux. Vous voyez, c'est pour que ça s'élargisse vers la fin. Hop, donc on positionne ça comme ça et on voit là où ça arrive. Pour moi, ça arrive ici. Donc, je vais pointer mon crochet ici. Hop. Il n'y a pas trop d'importance qu'il y ait deux mailles serrées ou trois mailles serrées ici en fait. C'est par rapport à votre travail, par rapport à comment vous avez crocheté. Hop, on refait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous montre une dernière fois. On va faire une maille coulée à l'intérieur de la septième maille en l'air. Hop. Deux mailles serrées ici, une et deux ici. Une et deux. Deux demi-brides. Une et deux. Et on va faire deux brides à la fin. Une et deux. Voilà. Et là, je vois que ça arrive ici. Et c'est bien là, une, deux, trois, quatrième cette fois-ci. Voilà, donc je termine mon rang de cette façon-là et j'arrive. Voilà, donc là j'arrive à la fin de mon rang. Regardez, il me reste deux mailles serrées ici. C'est pas très très important, hein. On pointe notre crochet, on fait une maille coulée, on fait une maille en l'air et on coupe notre fil ici. Voilà, c'est comme ça que ça va se représenter. Par la suite, on va cacher ce fil-là à l'intérieur. Voilà. Puisqu'on va coller ici, en fait, ça va pas trop se voir. Ça va pas se voir du tout d'ailleurs. Hop, et on coupe un peu.
Voilà, donc on va passer à notre feuille. Alors pour la feuille, on va faire 14 mailles en l'air. On commence tout de suite avec notre nœud. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et là, du coup, on va avoir besoin de notre fil en fer. Je vais poser mon travail. Hop. Je récupère mon fil. Fil en métal, excusez-moi. Hop. En fait, cette partie-là va être ici. Cette partie-là, c'est le haut de la feuille. Donc, on va enrouler le fil comme ça pour pouvoir avoir la fin en fait ici de ce côté-là. Et là, en fait, on va devoir laisser une bonne partie pour pouvoir mettre à l'intérieur. Donc, ce que je fais moi, c'est que je positionne comme ça. Je vais zoomer un peu. Hop. Voilà, je positionne comme ça. Je mets mon doigt ici. Et là, j'ai laissé une bonne partie pour la partie où on va assembler. Et je tourne comme ça. Hop. Et je vais couper ici. Voilà. Donc on va crocheter avec notre fil. Hop. On va tout de suite commencer en faisant une maille serrée. Pas dans la dernière maille en l'air, mais dans l'avant-dernière. On va rentrer. Hop. On n'oublie pas de passer en dessous du fil en métal aussi. Hop, on récupère et on fait une première maille serrée. Par la suite, on va faire une demi-bride ici. On enroule le fil sur deux crochets. Sur la prochaine maille en l'air, on va faire une demi-bride. Sur la prochaine maille en l'air, on va faire une bride. Hop. Sur la prochaine maille en l'air, on va faire une deuxième bride. Hop. Et hop. Et maintenant, on va faire 5 doubles brides. C'est-à-dire qu'on va enrouler le fil sur le crochet deux fois, une et deux. Je rentre mon crochet à l'intérieur de la maille serrée, de la maille en l'air, je récupère le fil. Donc là, on a quatre boucles sur le crochet. On enroule le fil sur le crochet. On va passer le fil qu'on a enroulé dans les deux premiers trous, dans les deux premières boucles plutôt. On enroule le fil sur le crochet. On passe à l'intérieur des deux suivantes boucles. On a deux boucles sur le crochet. On enroule le fil sur le crochet et on passe à l'intérieur des deux dernières boucles. Je vais vous montrer encore une fois. On enroule le fil sur le crochet deux fois. Par la suite, on va rentrer le crochet à l'intérieur de la maille en l'air et on récupère le fil. On a quatre boucles sur le crochet. On enroule le fil sur le crochet. Le fil qu'on vient d'enrouler, on passe à l'intérieur de deux premières boucles. On a trois boucles sur le crochet. On enroule. Le fil qu'on a enroulé, on passe à l'intérieur des deux premières boucles, des deux suivantes boucles du tout. Du coup, on a deux boucles sur le crochet, on enroule le fil sur le crochet et on passe à l'intérieur des deux dernières boucles. Donc ce sont des demi-brides, on en a fait deux, on va en faire cinq en tout. Donc une, deux, trois, quatre. Et 5. Par la suite, on va faire deux brides ici. Une et deux. On va faire une demi-bride. Hop. Et on arrive à la fin du rang. Ici, on va faire. On va d'abord passer le fil de ce côté-là, comme ça, voilà. On va d'abord faire deux mailles serrées à l'intérieur du trou, une et deux, au même endroit. Par la suite, on va faire une maille en l'air. Et là, on a deux. Ici, on a deux parties où on va passer le trou, le crochet à l'intérieur. Donc, c'est le haut de la maille serrée et l'intérieur de la maille serrée. Comme ça. On va récupérer le fil et on va faire une maille coulée. C'est pour avoir un bout pointu ici.
On va faire une troisième maille serrée au même endroit. Hop. Et hop. On va appuyer sur le fil en métal. Là, pour que ça soit... Ça a la même taille, en fait. Je vais tirer un peu. Voilà. Donc, on passe de ce côté-là. Et on va faire le même travail qu'on a fait de ce côté. On va le faire de ce côté-là. Donc, on avait fait une demi-bride ici. On va passer au trou suivant. Regardez. Là, il y a les trois mailles en l'air, les trois mailles serrées qu'on avait fait. Et là, il y a la demi-bride. On fait notre demi-bride. Hop. On tire bien sur le fil en métal. Hop. Voilà. Par la suite, on avait fait deux brides. Donc, on passe au trou suivant, ici. Une et deux brides. Et on avait cinq doubles brides. Une deux trois quatre et cinq. Hop, cinquième. Et voilà. Du coup, on refait deux brides ici. Une et deux. Oula, je voulais aller vite. Hop. Deux brides. Une demi-bride. Et une maille serrée pour terminer le rang. On va passer le fil derrière le travail. Hop. On va venir pointer notre crochet dans la toute première maille en l'air qu'on avait, maille serrée qu'on avait fait ici. On va récupérer le fil et on va faire une maille coulée. Hop et hop, une maille en l'air et on coupe notre fil. Voilà. Voilà, donc on a terminé notre feuille. On a tout terminé d'ailleurs. On va passer à l'assemblage. Alors, on va d'abord commencer en enroulant la rose. Donc on va mettre ça de côté. J'ai réchauffé mon pistolet d'ailleurs. Alors pour la rose, en fait, je vais mettre face à moi le travail qu'on avait. Là, c'est l'arrière. Je vais le mettre comme ça pour qu'on puisse enrouler de cette façon-là et qu'on puisse voir cette partie-là en haut. Si vous voulez, vous pouvez la faire de l'autre côté. C'est comme vous voulez, ça va. Je vous montre le rendu. En fait, j'ai l'impression que c'est à l'envers. Voilà, ça va être comme ça. Hop. Donc, pour que vous puissiez vous repérer par rapport à moi, le fil du début est là, à notre droite. Donc, on va positionner ça ici comme ça. Voilà, donc j'ai mis une feuille en dessous pour éviter de coller mon tapis. Hop. Je voulais juste vous dire qu'il faudra mettre cette partie-là avant de faire tout. Parce que par le bas, en fait, ça va être un peu plus compliqué vu que c'est un peu épais. Là, c'est pointu. Hop. Après, si vous voulez, vous le descendez jusqu'en bas hein, pour éviter que ça vous dérange. Parce qu'après, à la fin, ça va être compliqué de le rentrer par, par en bas. Alors, on va positionner ça comme ça. Je vais juste un peu zoomer. Voilà. On va mettre de la colle dans les deux premières parties ici. Hop. Cette colle-là, cette partie-là, ça va nous servir à cacher en haut de la brochette. Hop. Donc on va venir positionner la brochette ici. Et tout de suite ici, on enroule pour éviter que ça se voie de en haut en fait. Voilà. Par contre, la colle, le pistolet, je ne sais pas trop m'en servir. J'arrive pas trop. Hop. Voilà, j'en ai un peu de partout. Et voilà, vous voyez ça. Enfin, vous ne voyez pas parce que ça ne se voit pas. Hop, on va repositionner ici. Pour coller la rose,
On va faire des traits ici, comme ça. Dans le premier rang, ici et ici. Hop. On va coller au fur et à mesure. Regardez. C'est un peu compliqué à expliquer. Donc, je positionne mon pistolet ici. Hop. Je colle tout au long de ce rang-là. Je descends pour coller tout au long du premier rang aussi. Hop. Et tout de suite avant que ça sèche, on enroule. On enroule, on enroule, on enroule. Hop. Voilà. Et ainsi de suite, hein, jusqu'à la fin. Hop. On commence par là. On fait tout le long. On descend. On fait tout le long. Et tout de suite avant que ça sèche, on enroule. J'espère que c'est clair pour vous. Hop. Voilà. On enroule. On appuie de temps en temps pour que ça puisse bien tenir. Hop. Le fil qu'on avait fait circuler, on va le bousculer de ce côté-là. Hop, on met de la colle par-dessus. Donc c'est le premier rang. Hein. Et de ce côté-là, hop. Et on va mettre de la colle ici aussi, vu que c'est la fin. Hop. Et hop. Et on colle bien. On appuie. Là, de toute façon, on ne va pas voir vu qu'on va coller ici. Et voilà notre rose. Hop, on va monter ça. Et on va coller cette partie-là à la rose. Donc, on va d'abord faire mettre de la colle tout en bas. Ici. Hop. On monte, on colle, on appuie. Voilà. Et on va coller ces petits bouts. Je vous conseille de mettre plus de colle ici que ici. Ici, il faudra mettre un peu moins. Puisque, en fait, quand on va coller, la colle, on va appuyer dessus, elle va aller sur les côtés et du coup, on va la voir. Et ça sera dommage, regardez. Là, on voit ma colle. Quand je vous dis que je n'arrive pas à très bien l'utiliser, c'était ma première rose, hein, donc c'est normal. Et maintenant que j'en ai fait plusieurs, je sais qu'il ne faut pas que je mette beaucoup de colle au bout. Hop. Donc je mets beaucoup de colle, enfin un peu beaucoup de colle ici et un peu moins sur les pointes. Hop. Et on appuie pour que ça puisse coller. Et je viens de remarquer que mon fil était un peu fin parce que regardez la différence entre les deux roses. Pourtant, c'est le même nombre de mailles en l'air, mais c'est parce que le fil était un peu plus fin que le fil noir. Hop. Donc, si vous avez compris le principe, vous pouvez vous passer cette partie-là. Et voilà, c'est le dernier. Hop. Voilà comment on voit notre rose de haut. Ici, du coup, on va enrouler notre fil vert tout au long de la brochette. Et ici, quelque part par là, on va mettre notre feuille. Ah, j'ai oublié de couper. Voilà. Alors, on va prendre notre fil en verre.
En fait, le principe ici, c'est de tenir le fil ici et d'enrouler comme ça. Regardez, hop. On va enrouler ça comme ça, tout au long. Sauf que moi, quand j'ai fait comme ça au début, dans mes premières roses, ça s'est enlevé très facilement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai pas assez serré. Peut-être que j'ai mal fait. Donc, pour être sûr que ça ne va pas s'enlever, je préfère mettre un peu de colle ici. C'est-à-dire que je vais tenir le bout de mon fil avec mon pouce ici. Et là, un peu, n'importe où, hein, je mets de la colle. Hop, et je positionne tout de suite dessus pour éviter que ça sèche. Et voilà. Et là, j'enroule. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Et arrive à un moment, là où vous voulez, hein, si vous voulez faire un peu plus haut ou un peu plus bas, c'est comme vous souhaitez pour la feuille. On va mettre notre feuille ici. Donc les fils en métal vers le bas avec notre fil restant. Hop. Regardez, on positionne ça là. Et on va passer notre fil par-dessus. Attendez, ça n'a pas bien marché, je vais recommencer puisque... Le fil. Ah, ça c'est le fil. On va le couper, attendez. Voilà. Je me demandais ce que c'était. On va encore un peu enrouler. Hop. Et hop, voilà. Donc on positionne notre feuille ici. Et on passe notre fil par-dessus. N'hésitez pas à faire deux, trois, quelques tours, hein, par-dessus pour cacher le fil en métal. Voilà, et on descend jusqu'à la fin. Vous pouvez ici, si vous trouvez que c'est trop long, couper. Hop. Voilà, donc arrivé à la fin, on va mettre de la colle comme ça autour de la brochette et on enroule notre fil. La colle, vous voyez qu'elle circule vers le bas, hein, de toute façon. Hop, on attend que ça sèche. Voilà, c'est bon. Là, on va couper notre fil ici et je vais couper la colle qui a débordé en fait. Voilà. Et voilà, notre rose est prête. Et voici notre rose prête, terminée. Très jolie. Pour offrir à n'importe qui, franchement. À votre maman, copine, enfin, tout ce que vous voulez. Ça éviterait de payer en fait une rose et une rose qui va mourir en fait au bout de 2 jours. Franchement, vous pouvez acheter du parfum à la rose et en mettre dessus, faire un bouquet de roses. Je vais faire d'autres fleurs aussi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, mettez dans les commentaires les fleurs qui vont vous intéresser. J'ai les lavandes lisses, tournesol, je viens de faire aussi, des marguerites. Franchement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de mettre un commentaire. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, de mettre un commentaire si ça vous a plu. Laissez un petit like et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo.